Et eh ben alors Kassim, qu'est-ce que tu fais? Ah ben je m'échauffe pour la séance école de gym, la séance 8. Ah bah parfait, bah j'espère que vous êtes aussi prêts que Kassim. Donc c'est parti pour le niveau 8. Avant de commencer la séance 8, n'oubliez pas d'envoyer vos vidéos sur le lien qui se trouve juste ici. Je vous laisse avec Magali pour la présentation du matériel. Pour ce niveau 8, nous aurons besoin de votre canapé, d'un tapis mousse, de chaises et un manche à balai. Atelier numéro 1, travail de l'alignement. Nous allons réaliser un placement du dos avec quelques pas d'élan. Bien placer le dos au-dessus des mains et tomber sur le dos. Critère de réussite, placer son dos verticalement puis tomber sur le dos. Atelier numéro 2, travail de la roue. Cette fois-ci, vous aurez besoin de papa ou de maman pour vous aider. Papa ou maman se place sur le tapis, sur les genoux. On écarte légèrement les genoux. Puis, vous allez réaliser une roue sur les genoux de votre parent. Départ en fente, bien plié devant et tendu derrière. Poussez fort dans les jambes et allez poser les mains sur les cuisses de votre parent. Et retour en fente. Attention les parents! Positionnez-vous bien du bon côté, regardez bien de quel côté votre enfant commence, si c'est du pied droit ou du pied gauche. Donc si votre enfant commence avec le pied droit, mettez-vous à droite. Si votre enfant commence avec le pied gauche, positionnez-vous à gauche. Critère de réussite, réalisez la roue en passant par la verticale et retour en fente. Atelier numéro 3. Roulade avant, placement du dos. Départ debout, fléchir les genoux, rouler vers l'avant et enchaîner avec un placement du dos. Mettre les mains devant, rester les bras tendus, placer bien les fesses au-dessus des mains. Retour accroupi. Critère de réussite, enchaîner la roulade avant avec le placement du dos. Atelier numéro 4. Nous allons réaliser une roulade arrière, bras et jambes tendus, arrivée dos rond en gainage. Faites attention au placement des mains, les doigts se regardent, les bras restent tendus tout le long de la réalisation. Critère de réussite, arriver en gainage et tenir la position pendant 3 secondes. Atelier numéro 5, le travail des appuis. Nous allons réaliser une planche coude. Départ sur le tapis, placez vos mains devant vous. Venir fléchir les coudes au niveau du ventre et du bassin et placer les jambes à l'horizontale. Tenir la position 3 secondes vous permettra de valider cet atelier. Atelier numéro 6, travail de la suspension. Nous allons réaliser maintenant une fermeture. Donc Kassim va mettre les mains sur le manche à balai. Alors Kassim est grand, donc il va plier ses bras, mais vos enfants doivent faire la même chose avec les bras tendus. Et ensuite, le but du jeu, c'est d'emmener les pointes, les genoux au niveau de la barre. Critère de réussite, tenir la position 3 secondes. 1, 2, 3. Et ben alors Kassim ? Ça va? Ah, je suis fatigué, hein. La séance était intensive aujourd'hui. Ah, bah alors, on va te laisser te reposer un petit peu. En attendant, n'oubliez pas d'envoyer vos vidéos sur ce lien. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Kassim pour le niveau 9. Au revoir.